Bonjour, programmation de la motorisation de porte de garage Good Home vendue aux alentours de 100 euros chez Casto. C'est le modèle-ci. Côté mécanique, pas grand-chose à en dire, ça s'installe plutôt bien. Dans mon cas, il y avait trop d'espace entre le plafond et le moteur, donc j'ai rajouté une traverse. Maintenant, jetons un œil à la programmation. La notice donne des consignes qui sont totalement fausses pour l'accès au menu options. Donc voici comment il faut faire. Vous appuyez et vous laissez appuyer le bouton B et vous accédez au menu qui vous intéresse avec le bouton A. Ensuite, vous validez avec le bouton B et vous vous promenez en niveau de sensibilité. Par exemple, ici sur le menu 3, vous changez le niveau dans un paramètre. Donc je vais mettre sensibilité faible 1 et vous attendez 5 secondes pour la prise en compte automatique et l'enregistrement du paramètre. Voilà, c'est fait. Un autre petit commentaire. Si vous lancez l'initialisation alors que le chariot est trop proche de la butée, l'initialisation ne pourra pas se faire. Là, vous allez être totalement bloqué. Vous ne comprendrez pas. Vous allez appuyer sur le bouton télécommande, il ne se passe rien. Ça ne bouge plus. Pour remédier à cela, vous démontez les quatre vis qui tiennent les brides ici. Vous soulevez le rail de quelques centimètres. Il va se dégager de l'arbre en nylon crénelé ici. Et vous pourrez alors manœuvrer la porte en manuel en tirant et en poussant le sabot. Vous placez le sabot pour avoir la porte en position trois quarts fermée. Et ça ira très très bien. Là, le cycle d'initialisation pourra se faire. En commentaire général, c'est une motorisation qui est très très silencieuse. On voit un ray de lumière, ce qui montre que la porte a légèrement reculé après sa fermeture pour libérer les tensions. Donc ça, c'est très bien. Le sabot ne vient pas en butée mécanique ici, il s'arrête quelques centimètres avant. Ici aussi, ça limite les tensions mécaniques inutiles. Bonne installation!